La graine qui soigne presque toutes les maladies sauf de la mort. Certains aliments que nous offre la nature guérissent des maladies que nous pensions soignables ou squalors qu'avec des médicaments. En effet, il existe des plantes, des aromates et des graines à utiliser tels quels ou qui peuvent être con accento circonflesso tre transformés sous forme d'huile afin d'en faire des remèdes naturels. Parmi l'un des cadeaux de la nature, on trouve le cumin noir, aussi appelé la nigelle. Présente dans des livres religieux, il a fait l'objet de diverses études pour découvrir l'ampleur de ses propriétés médicinales. Le cumin noir, le remède miracle. En effet, des chercheurs d'Arabie Saoudite ont réalisé des recherches scientifiques concernant les avantages de l'utilisation du cumin noir. Se basant sur la notoriété publique des graines noires selon laquelle les auraient des pouvoirs curatifs, ils sont découverts que la maggiore partie des propriétés thérapeutiques du cumin noir sera utile à la thymoquinone. Ce dernier est un principe actif qui agit comme un antioxidant, un anti-inflammatoire, un antihistaminique, un antibacterien et un anticancereux. D'autres études scientifiques réalisées sur des animaux sont venues à prouver cette découverte et les résultats montrent que ces vertus antioxydantes permettent de protéger divers organes dont les xur, les foie et les reins. En outre, la thymoquinone ha une action analgésique et des propriétés anticonvulsivantes. Ainsi, le cumin noir est un remède naturel fabuleux concernant des multiples affections. Alors, voici comment l'utiliser selon votre trouble médical les utilisations du cumin noir selon les problèmes médical. GRA con accento circonflesso c'è a son effet permettant d'absorber les matières grasses, ajoutez un equilera café d'huile de cumin noir dans votre infusion afin d'éviter que vos artères soient bouchées et pour réguler votre pression artérielle. Lastme. Pour traiter l'astme, il vous suffit de faire bouillir de l'huile de nigelle puis d'inhaler la vapeur d'une cuillerée de cette huile matin et soir. Vous pouvez également masser votre poitrine et votre cou avec l'huile de cumin noir afin de favoriser votre respiration. D'après les multiples études scientifiques, GRA con accento circonflesso c'è a thymoquinone present dans le cumin noir, il est possible de traiter plusieurs maladies dont le diabete de type 2. Il vous suffit de consommer de l'huile de nigelle ou d'ajouter des graines de cumin noir à vos préparations. Ayant des propriétés spasmolytiques et gastroprotectrices, le cumin noir est un allié dans le traitement des ulcères, notamment s'il est mélangé avec du miel qui a des vertus cicatrisantes. Mélangez une cuillère d'huile de nigelle dans 4 cuillères à soupe de miel puis consommez la préparation quotidiennement à jeun. Vous pouvez ensuite consommer un verre de light vegetal pour soulager l'ulcere. Au de ses vertus anticancéreuses, le cumin noir est recommandé pour lutter contre la proliferation des cellules cancéreuses. Vous pouvez masser trois fois par jour la zone où se trouve la tumeur avec de l'huile de cumin noir puis ajoutez des graines de nigelles dans vos préparations. Le jus de carotte à l'extraiture est également conseillé pour soigner un cancer.
mises en garde l'estre commandede in epase de passer la dose quotidienne d'huile de nigelle et de grainés de cumin noir préconisé et soit 2 cuillères à café d'huile et une petite quantité de grainés ou de poudre de grainés. Inoltre, le cumin noir et ses dérivés sont impropres à la consommation que les femmes enceintes. Dans tous les cas, prévenez votre médecin d'une future consommation de cumin noir.